Alors bonjour, je m'appelle Kenzo Munoz, je suis actuellement étudiant en deuxième année à l'IUT Poncent à Toulouse, dans le département gestion des entreprises et des administrations. Donc, mis à part ça, je suis aussi vice-président du BDE, c'est le bureau des étudiants, que je te reparlerai un peu plus tard quand on montera. Pour l'instant, je vais te faire la visite de tous les locaux, donc je t'invite à me suivre. Donc je vais commencer par te présenter le secrétariat. Donc c'est là où tu vas, où il y aura une équipe professionnelle en fait, qui va t'aider dans tout ce qui est administration. Donc tout ce qui est papier pour les absences, les bourses et voilà. Donc là on arrive à la cafette. Malheureusement elle est fermée parce qu'elle est en travaux. Donc du coup ça c'est un petit coin familial, etc. où tu pourras venir boire un café, manger un petit truc avec tes amis entre les cours, pour décompresser un peu et voilà. Je vais maintenant te présenter les classes de TD, donc les travaux dirigés et les salles informatiques, etc. Tiens, en passant, là on arrive au bureau du BDE, donc ce que je t'ai parlé juste avant, le bureau des étudiants. Donc là, bon, bien évidemment, il n'y a personne. On est en jeudi après-midi, on n'a pas beaucoup cours, donc il n'y a pas grand monde. Mis à part ça, le bureau des étudiants, tu le verras l'année prochaine, mais entre guillemets, c'est nous qui nous occupons de tout ce qui est activités extrascolaires. On organise les soirées, des week-ends d'intégration, les week-ends au ski, tout ça, c'est nous qui nous en occupons. Donc là, on arrive dans la première salle. Donc c'est une salle de TD, les travaux dirigés. Donc c'est une salle de cours plutôt classique, comme tu as pu connaître au lycée. Donc c'est là où tu vas faire les enseignements, les cours sur table, tout ce qui est comptabilité, économie, management, marketing. Les cours basiques, entre guillemets. Ensuite, je vais te montrer la salle informatique. Donc voilà, là, on arrive dans une de nos salles informatiques avec une très belle peinture murale. Donc, c'est dans cette salle que tu vas faire tout ce qui est cours, où tu vas apprendre tous les logiciels en fait, qui vont te servir pendant tes études. Donc, tous les logiciels Excel, Word, Teams et d'autres logiciels en fait, que les entreprises utilisent tous les jours pour assurer leur pérennité ou des trucs comme ça. Donc aussi l'avantage qu'on a dans notre département, c'est que nous avons un ascenseur pour les personnes qui ont des problèmes en mobilité réduite ou des trucs comme ça. Il dessert tous les étages, donc du coup tu n'auras pas de problème pour assister à tes cours et voilà. Donc je te récupère, donc là je vais te montrer une salle où il y a des cours aménagés en fait. Donc c'est des cours pour tout ce qui est sportif de haut niveau ou les auto-entrepreneurs. Donc dans le département, ils aménagent les cours pour ces gens-là qui ont des horaires plus compliqués que nous. Donc voilà, là c'est une salle de psychologie sociale, donc avec tous les étudiants, etc. Donc voilà, ça c'est un petit cours avec des horaires aménagés pour les sportifs de haut niveau et les auto-entrepreneurs. Maintenant, je vais te montrer les amphis, je t'invite à me suivre. Donc là, on arrive dans le bâtiment où il y a tous les amphithéâtres. Donc là, je vais te montrer un cours où des cours de maths, de soutien pour certaines personnes qui ont du mal en mathématiques. Donc tout ça se passe en amphi. Donc je vais te montrer un cours. Donc voilà, là on peut voir les étudiants donc, qui assistent au cours pour tout ce qui est tous ceux qui ont des problèmes en mathématiques ou des trucs comme ça pour les aider à réussir. Donc voilà, la visite du département est finie, je t'ai montré les choses essentielles. J'espère te revoir l'année prochaine. Quant à moi, je vais retourner en cours et bonne journée à toi.